Bismillah ar ar wa wa -salam ala al-karim Aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans cette chronique avec Mizan TV, nous allons vous parler d'un hadith qui est, aussi, qui est aussi important et qui, qui est souvent utilisé euh, que ce soit euh, dans le sens d'affirmer son sens ou pour l'interpréter donc, inshallah, nous allons l'aborder ensemble. C'est le hadith dans lequel on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir dit On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Ce hadith-là a fait l'objet de plusieurs études actuellement. Ce sont des études qui se sont intéressées à la fois à son authenticité et aussi à son sens. Et on a beaucoup de théories, d'interprétations sur ce hadith-là. Mais en vérité, ce hadith-là autrefois ne posait problème à personne. Pourquoi Car le contexte n'était pas le même. Autrefois, la communauté ou ou islamique était, avait une certaine puissance, une certaine domination. Et donc, elle ne se sentait pas obligée de justifier euh, quoi que ce soit à... C'est pourquoi ce hadith-là s'est retrouvé dans l'intégralité, je dis bien dans l'intégralité des recueils du hadith, ceux qui se sont imposés l'authenticité ou les recueils juste qui ne se sont pas imposés dans leurs ouvrages l'authenticité de ce hadith-là. De manière générale, ce hadith est rapporté par environ 19 compagnons. On les trouve, on trouve dans les sources que ce hadith-là est rapporté par ou bien attribué à 19 compagnons. Car il y a une différence entre rapporté et attribuer. Donc dans ce hadith-là, euh, les savants musulmans, autrefois, étaient clairs sur le fait que ce hadith-là met en place une notion, la notion de, du combat en islam. Pour ne pas dire le djihad, car le djihad de l'islam, ça ne veut pas dire le combat. Bref, et donc ce, ils ont expliqué que ce hadith-là appelle à euh, faire le combat une fois. Et de manière générale, la culture islamique ou la majorité des savants musulmans est passée ou bien est restée ou a affirmé euh, cette vision des choses. Aujourd'hui, ce hadith-là est vu autrement dans des, dans des contextes différents. Aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, les musulmans ne se permettent pas de rapporter ce hadith en toute sérénité qu'on faisait autrefois. C'est pourquoi aujourd'hui, on essaie de l'interpréter. En vérité, la question ce n'est pas l'interprétation. La question c'est de comprendre dans quel contexte ce hadith-là est apparu. Pas est prononcé, mais est apparu. Car d'aller dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est une prise de risque gratuite. Pour quelle raison car quand on revient sur la manière dont ce hadith a été rapporté, on comprend l'orientation politique de ce hadith-là. Ce hadith a souvent été associé à la question, à ce qu'on appelle les guerres de l'apostasie, ou la guerre de l'apostasie, ou les guerres des apostats ou de l'apostasie. Dans cette guerre, on rapporte que qu'Abu Bakr al a déclaré la guerre entre ceux qui ont refusé de donner à Zakat l'aumône légal à l'État. Et une autre catégorie qui a choisi d'apostasier l'islam. Je me suis intéressé à cette question pendant plusieurs années, dans des recherches très strictes. Et j'ai pu constater qu'en vérité, dans l'histoire islamique, il n'y a pas eu une guerre qui s'appelle la guerre des apostats ou contre les apostats. Et que ce qui s'est passé à l'époque de Abou Bakr c'est-à-dire quelques jours après la mort du prophète sallam, n'a rien d'apostasie ou bien n'a aucun rapport avec l'apostasie. En vérité, on était dans une époque où certaines tribus ont essayé, ont espéré d'atteindre le pouvoir. On essayé d'atteindre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, si vous voulez, à la tribu de Quraish. Dans ces conditions-là, et dans cette menace de la sécurité, Abu Bakr Sadir n'avait pas d'autre choix que de recadrer ces tribus-là, il y a eu ce conflit-là. Bien sûr, il y a plusieurs éléments à prendre en considération, etc. Autrement dit, ce conflit n'a rien de religieux. C'était un conflit purement politique et un conflit pragmatique. qui n'a rien de religion. Ce n'est pas une question qu'ils ont délaissé ou pas tout ça ou qu'ils ont donné au pas. Mais à à la fin du premier siècle, on voulait. Le, le régime islamique, à la fin du premier siècle, qui est le régime Omeyyade était confronté à la même situation. Des révolutions, j'ai compté plusieurs centaines de révolutions hein, armées entre l'année 50 et l'année 100 du premier siècle. Dans ce, ce contexte-là, on était obligé de justifier religieusement la politique du régime afin de euh, afin de repousser les attaques qui provenaient de un peu partout des opposants politiques et c'est dans ce cadre là où ce texte là a été rapporté par euh, Zuhri par Suhail ibn Abi Saleh par Waqif ibn Muhammad par Salim ibn Naman voilà ceux les acteurs de ce hadith là à la fin du Premier siècle, début deuxième siècle. Donc, pour expliquer aux gens que le combat que mène le régime omayad contre les opposants, ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature, est en vérité est un combat religieux et c'est vraiment le djihad, c'est vraiment le combat dont parle le prophète. Et voilà la preuve. La preuve, c'est que lorsque certains ont délaissé l'islam, lorsque certains ont refusé d'adhérer à, à, au régime en place, et bien Abu Bakr leur a déclaré la guerre. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, on n'est pas les premiers à le faire mais c'est plus Abu Bakr se dire. et la première fois où ce hadith là a été utilisé c'est lorsque Abdel Malik Ibn Marwan dans les années 80 a convoqué Urwa Ibn Zubair après l'assassinat de son fils et il lui a demandé de lui écrire ce qui s'est passé ou bien de lui écrire quelque chose qu'on va considérer comme la sira du prophète عليه c'est pourquoi que cette sira était venue juste pour faire éloge à Quraysh, à Bani Umayya, et aux guerres menées par le régime Omayyade, etc. Tout en, en, en l'attribuant la au prophète alayhi as salat wa as salam. Voilà vraiment dans ce contexte politique que ce hadith-là a vu, euh, a vu tout simplement le jour, donc, d'aller dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam euh, l'a dit. C'est tout simplement infondé. Pourquoi infondé Car on ne peut pas prouver qui a dit, on ne peut pas prouver de manière scientifique que le prophète sallam l'a dit. Je vous donne un exemple. Ce hadith-là, en vérité, je l'ai trouvé dans le recueil que rapporte Abdullah Ibn Dinar d'après Al-Hassan al-Basri à l'époque où il y a eu la chute de la, de, 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 de la capitale autrefois de l'Irak qui était al -Koufa. Après la chute, ce hadith-là a vu le jour dans un écrit attribué à Al-Hassan Al-Basri et c'est au même moment où al-Malik ibn Marwan a demandé, je disais, à Urwa ibn Zubair d'écrire sur la sira du prophète al Alihi As-Salat wa as-salam. En, en, en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa n'a jamais prononcé le hadith. Euh, ou bien ce hadith-là. Et si l'un de vous me dit, mais ce hadith-là se trouve quand même dans tel ou tel recueil, j'ai bien dit au début que ce hadith-là se trouve dans l'intégralité des recueils du hadith. Mais la question, ce n'est pas s'il se trouve ou pas, ce n'est pas s'il a été authentifié ou pas. De toute façon, la, la majorité des hadiths attribués de, tribu, de, 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 en fait, ont en fait l'objet d'une étude critique. Souvent, on a le hadith, parfois authentifié, parfois... Affaibli. la question ce n'est pas qui si il est rapporté ou pas par les savants musulmans la question est ce que ce hadith là remonte à l'époque du prophète de et ben d'après toutes les études après plusieurs années j'ai pu déterminer exactement l'année ou le moment où ce hadith là a vu le jour je disais c'était à l'époque de Abdel Malik ibn Abdel Malik ibn Balwan wa alaikum wa